Dans l'épisode de ce vendredi-ci, dans le fond, aujourd'hui, on prend ça pas relax, mais on prend ça tranquille au bureau. En fait, je vais travailler un peu sur ma paperasse, j'ai beaucoup de papier à faire, puis c'est ça, j'avais le goût de peut-être aller à l'atelier aujourd'hui, puis je me suis dit, dans le fond, tu sais, demain, j'ai déjà prévu d'y aller faire le gros du travail là, pour les cache-poutres, puis tout. Puis là, je me suis dit, bon, je vais mettre mon efficacité de demain à l'atelier. Aujourd'hui, je vais en profiter là, pour faire la bureautique un peu parce que c'est sûr, ça fait comme une couple de jours que je suis pas trop à maison. Puis j'ai comme plein de retards sur mes courriels, ces choses-là. Enfin, je vais en profiter pour rattraper ça. Puis c'est ça, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dans ma journée. Là, puis ça va être tranquille aujourd'hui. J'en ai quand même profité pour faire des petits montages justement de vidéos, que ce soit sur TikTok, mais dans le fond, j'ai comme mon règlement de défi, le 3-3-1-1, à faire à chaque jour pareil. Fait que c'est ça, j'ai fait mes trois vidéos TikTok. Un peu plus côté explicatif, l'importance de l'écologie, puis pourquoi je fais des meubles comme ça. Même chose avec les shorts YouTube aussi, j'en ai fait quelques-uns ce matin. Puis c'est ça, là, je suis en train de regarder pour un futur modèle. Je regarde un peu côté européen, qu'est-ce qui se fait dans les modèles de meubles que je voudrais recréer ici, puis amener des nouveautés dans le fond sur le marché québécois avec mes matériaux recyclés. Fait que c'est dans le fond, je suis là-dedans aujourd'hui. Je fais du brainstorming un peu, puis je regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'amener ici. Là, juste un modèle de tabadiné là que je regardais, je trouvais extrêmement beau. Tu sais, c'est sûr que là, le prix il est assez dispendieux. C'est des modèles européens, c'est fait à Paris. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais éventuellement, j'aimerais peut-être ça faire de contenu avec ça, tu sais, puis de dire, mettons, on regarde, ça coûte tant, ça vaut tel prix absolument, puis moi j'ai réussi à le faire pour tel prix, tu sais. Comme faire du contenu avec ça sur les réseaux sociaux, ça pourrait pas, je pense que ça pourrait comme pogner, tu sais, de comparer, tu sais, les deux modèles, tu sais. Je suis finalement sorti du bureau. À la fin, on va aller passer faire un petit tour chez ma mère, super avec, passer un peu de temps avec elle, puis après ça, c'est ça, on s'en va, ben, en fait, on est chez nous, mais c'est ça. En fait, pendant ma journée, c'était super productif. J'ai eu des appels justement pour un nouveau projet. Puis tout, je vais pouvoir monter ça lundi. C'est un nouveau projet lieu. Puis en même temps, c'est ça, j'ai eu un appel aussi par rapport au soutien travailleur autonome, dans le fond, qui se concrétise un peu plus. Là, dans le fond, lundi aussi, j'ai d'autres trucs à aller faire avec ça. Fait que ça débouche, ça débouche. Fait que c'est comme ça qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui. En fait, une super belle journée. J'ai pris du temps pour me recentrer un peu dans mes affaires que j'avais à faire. Puis ben c'est ça, demain on s'en va à l'atelier, on va le faire quelques petits projets là-bas. Ben non, pas des petits projets, des gros projets. Puis je vais vous montrer ça demain. Là. Fait que ben là-dessus, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Puis n'oubliez pas que je vous aime. Puis c'est ça.